Le G7 prêt à durcir les sanctions contre Moscou. Il appelle Vladimir Poutine à faire baisser la tension en Ukraine, faute de quoi de nouvelles sanctions seraient prises fin juin. Le maître du Kremlin, indésirable au sommet de Bruxelles, n'exclut pas de rencontrer vendredi en France le nouveau président ukrainien. Mais un véritable ballet diplomatique débute dès jeudi à Paris. Obama et Poutine y seront tous deux présents avant le 70e anniversaire du débarquement de Normandie, mais ils ne se verront pas. François Hollande a prévu deux dîners, d'abord avec l'un puis avec l'autre. Les premiers vétérans sont arrivés en Normandie et la journée de jeudi est placée sous le signe du sacrifice des soldats britanniques. Bachar al-Assad gagne la présidentielle haut la main. Le président syrien a remporté l'élection avec plus de 88% des suffrages selon le pouvoir, un scrutin que le secrétaire d'État américain John Kerry a qualifié de non-élection. François Hollande a de son côté assuré que plus de 30 Français partis combattre en Syrie y ont trouvé la mort. La justice française décidée à aller vite. Elle examine à 11h ce jeudi la demande de remise aux autorités belges de Mehdi Nemmouch, le suspect de la tuerie du musée juif de Bruxelles, qui doit être présent à cette audience publique, va dire s'il refuse toujours d'être extradé. Le métro de Sao Paulo en grève à une semaine du mondial. Les employés ont entamé une grève illimitée pour les salaires, alors que ce métro constitue la principale voie d'accès au stade où sont prévues la cérémonie inaugurale et le match d'ouverture Brésil-Croatie le 12 juin. C'est de la capitale économique brésilienne qu'était partie la Fronde sociale historique de juin 2013.